Mais si, Valentin, il faut le faire. Non, j'ai pas envie, gars. Pourquoi tu voudrais faire ça, déjà? Mais il faut que je sache la vérité sur tout ce qui se passe dans notre maison. Toutes les nuits, on se fait réveiller parce qu'il y a des fantômes. On entend des bruits bizarres. On entend des gens marcher la nuit. On entend des voix la nuit. Il faut que je sache. Bah fais-le, mais sans moi, gars. J'ai pas envie, j'ai trop peur. Non, non, non. Si tu viens, là... Et attends, on est resté réveillé jusqu'à... T'as entendu ou pas? Je viens d'entendre, ouais. On est resté réveillé jusqu'à 3h du matin, les amis, pour faire une petite partie de Ouija. Regardez-moi ça. Donc on a cette planche, et cette planche, elle permet de poser des questions à des fantômes. On doit mettre chacun un doigt ici, ou deux doigts, vas-y. Mets deux doigts dessus. J'ai pas envie. Oui, ouais, attends, attends, on va pas le faire tout de suite. D'abord, il faut poser une question. Bon, t'entends le bruit ou pas? Mais oui, j'entends. Attends, attends, tu penses à quoi je pense? Sirenhead? On dirait le bruit de sirenhead. Mais oui. C'est une blague. Attends, attends, tu l'entends ou pas? Mais oui, j'entends. Mais comment c'est possible? On est au sous-sol, on est dans notre garage. Attends. C'est quoi ça? Attends, ça se voit pas en vidéo. T'as vu toute la fumée? Mais oui. Attends, mais y'a de la fumée partout dans notre garage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les amis, je sais pas si vous voyez. Non, mais c'est terrible. Non, mais c'est quoi ça? Attends, 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 attends. Ça doit être dangereux, cette fumée. Qu'est-ce que... Mais non, c'est pas dangereux. On peut respirer normalement. Pourquoi y'a de la fumée partout? Mais je sais pas. Ah, y'en a plein qui est rentré dans la voiture. Les amis, c'est un truc de fou. Heureusement, ça sent rien. Bon, vite, on se dépêche. Là, j'ai besoin d'avoir les réponses à mes questions avant qu'il soit trop tard. Bon, ok, Sirenhead, c'est ça, là? Oui, oui, bah déjà, on va poser une première question. Sirenhead, es-tu avec nous ce soir? Oui, on entend son bruit. Là, c'est quoi ça? Attends, ça nous amène où? Attends. Yes! Oh, yes! Oh, yes, ça veut dire oui! Sirenhead, dit les gars? Ça veut dire que Sirenhead est là! Oh non! Attends, on est obligé d'aller voir. On est obligé d'aller voir. Je veux rester caché ici. Bon, à la base, on devait faire une vidéo tranquillement pour parler aux fantômes qui sont dans notre maison. On pensait pas que Sirenhead allait venir dès maintenant. Oui, parce que bon, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, pour ceux qui connaissent pas, il se passe plein de trucs chez nous sans arrêt. Toutes les semaines, on fait des vidéos. Il y a des poupées qui deviennent des poupées hantées. Il y a des bruits toute la nuit, tout ça. Et là, attends, viens, je vais continuer à expliquer. Je prends la lumière, ok? Ouais, prends la lumière. Prends la lumière, on laisse la table de Ouija ici. Bon les amis, on va vous expliquer ce qui se passe dans notre maison. Là en gros, Peppa Pink m'a dit ouais, on arrête avec toutes les histoires de fantômes. Je veux plus entendre parler des fantômes, c'est fini. Et du coup on doit se cacher. On a attendu 3h du matin, on s'est caché dans la voiture pour faire ça. Et même Lily Rose, elle veut plus en entendre parler. Elle a dit Esteban, je veux plus que tu parles de fantômes, je veux même plus que tu fasses de vidéos dessus. Donc j'ai profité qu'elle dorme pour faire... Mais vraiment, vous avez vu la fumée? Regardez-moi ça. Bon vite, on part d'ici. On part d'ici, on va aller là-bas. Bon, allez, viens. Attends, chut. T'entends ou pas? Mais oui. C'est quoi ce truc? Non mais Sirenhead a jamais été aussi proche. Et le chat, ça se voit, il a peur en plus. Ouais, ouais, regardez le chat, le pauvre. Ça va, t'as vu Sirenhead ou pas? Le chat, il est... Bon, écoute, on va aller voir à l'étage. Ça tombe, Sirenhead est dans notre jardin. Pour l'instant, on entend juste les bruits. Il n'y a rien dans notre maison en tout cas. Là, de toute façon, toutes les lumières sont éteintes de chez éteintes. Tout est éteint bizarrement. En même temps, tout le monde dort. Peppa Pink dort, Lily Rose aussi. Attends, regarde dans le jardin. T'as vu? Regarde. Oh non, mais on la voit là. Non mais je suis pas en train d'halluciner. Va nous voir. Bon, on la voit. Attends, je vais me cacher. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait dans notre jardin? Pourquoi il y a Sirenhead ici? Attends, j'ai pas compris là. On l'avait jamais vu en vrai. On l'avait jamais vu en vrai comme ça. Oh les amis, là je suis choqué. Je suis choqué, vous l'avez enfin vu. Vous l'avez enfin vu. Oh, ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait des vidéos sur Sirenhead. On l'avait jamais filmé aussi bien que ça. Oh, ça. Ah, je reçois un appel. Il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est toi Valentin? Bah non, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Regardez, c'est Sirenhead. Attends, mais je fais quoi? Je décroche? Mais décroche pas, sinon il va savoir où on est. Mais comment ça, je décroche pas? Mais il m'appelle, et de toute façon, il est dans notre jardin. Bah décroche alors, je Allez, sais pas. Allez, Sirenhead, il est dans notre... Oh non, appel manqué. Oh, j'ai trop tardé. Attends, est-ce qu'il va laisser un message? Oh les amis, attendez. Là, c'est un truc de fou, là. On n'a jamais été aussi proche de résoudre l'enquête. Attends, ça me rappelle. Ça me rappelle. Je décroche ou pas? Vas-y. Allô? 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 Ça dit rien. Ça répète ce que je dis. Eh, ça répète ce que je dis, t'entends? Vas-y, parle. Allô? Allô? Et ça répète ce qu'on dit. Ça veut dire que Sirenhead nous écoute. Oh non. Ça veut dire qu'il nous entend, ça veut dire qu'il nous écoute. Attends, toutes les portes de la maison sont fermées. Ça, c'est fermé. Attends, on va retourner voir dans le jardin, discrètement. Oh non. C'est pas croyable. Il est encore là. Et
les amis, c'est un truc de fou. Là, de toute façon, je vais pouvoir tout vous filmer, là. Oh, je vais pouvoir tout vous filmer. Là, il est grandeur nature, il est énorme. Bon, écoutez, on va se cacher. On va se cacher, on retourne se cacher quelque part. Dans le sous-sol. Écoute, non, toi, va tout seul en haut. Tu dis à Peppa Pink et Lily Rose de surtout pas bouger. Okay. J'arrive, ok. Je me dépêche. Tu bouges, tu leur dis de ne pas bouger, qu'ils restent dans leur chambre. Oh, les amis, là, il faut qu'on reste tous aux abris. Non, mais vous rendez compte, il y a littéralement Sirenette chez nous, dans notre jardin. Et à tout moment, il peut rentrer, il nous écoute grâce au téléphone. Bon, écoutez, moi je vais voir ce qui se passe ici. Je vais voir s'il y a d'autres personnes. Eh oh, Sirenette, t'es ici aussi ou pas? T'es rentré par où? Tu m'entends? Je sais pas si elle m'entend, franchement. Là, j'ai eu peur, mais c'est juste la machine à laver qui est en train de laver le linge. Voilà, je commence à avoir peur pour le moindre bruit, les amis. J'entends des bruits partout. J'ai l'impression que je suis observé. Oh, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Oh, c'est quoi ça? Mais vous êtes qui? Alors comme ça, vous avez vu Sirenette? Comment ça, on a vu Sirenette? Mais vous êtes qui? Ah, c'est moi qui l'ai invoqué. Mais vous êtes qui? C'est quoi ça? On dirait Sirenette dans vos mains, là, c'est quoi? Je suis le maître de Sirenette. Le maître de Sirenette? Mais c'est quoi que cette histoire encore? C'est vous qui l'avez ramené ici? C'est vous qui l'avez ramené ici? Exactement. Mais qu'est-ce que vous faites chez nous? Pourquoi chez nous? Je vais prendre le contrôle de notre maison. Prendre le contrôle de notre maison? Mais n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, oh non. Ma lumière, pourquoi elle s'est éteinte? Oh, vous faites peur avec votre masque, là. J'ai pas envie de... Bougez d'ici! Bougez d'ici! Bougez là! Bougez d'ici! Et oh. De toute façon, mon père, il va être au courant, ma soeur aussi. Ils vont pas tarder à arriver. Et aussi mon cousin, là. Et vous allez voir, vous êtes tout seul. Et avec Sirenette, même si Sirenette est extrêmement puissant, vous allez pas nous avoir. Bougez d'ici! Oh là là là, je... Non. Je vais rester ici. Je vais rester ici enfermé. Je vais allumer la lumière. Allume-toi! Ah, voilà, c'est bon. Bon, je vais rester ici. Bon, visiblement, les amis, il y a aussi le maître de Sirenette qui est avec nous. Oh là là, je suis perdu, je suis totalement perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'appelle Valentin? Est-ce que je reste ici tout seul? Bon, en tout cas, si je dois rester ici, regardez, j'ai de quoi manger. Parce que ça, c'est les cadeaux que des abonnés nous ont offerts. On a fait une rencontre abonnée il y a pas longtemps. Vous nous avez offert des super cadeaux. Regardez, il y a de la pâte à tartiner. Là, il y a une écharpe. Au cas où j'ai froid. Voilà, donc il y a pas mal de cadeaux. Merci, mais bon, je pense que ça suffira pas si je dois rester enfermé ici. Tu rentreras pas! Tu rentreras pas ici! Allô, Valentin? Allô, Valentin? Attendez, je vais mettre un casque. Hop, voilà, au cas où. Allô, Valentin? Oui, il y a le maître de Sirenette. Un mec ultra bizarre avec une sorte de grand bâton en fer. Je sais pas, c'est une sorte de mini Sirenette dans ses mains avec un masque vert fluo. Il dit que c'est le maître de Sirenette et que c'est lui qui a ramené Sirenette ici, je sais pas quoi. Quoi? Tu t'es déjà enfermé avec Peppa Pink et Lily Rose? Mais il faut venir m'aider maintenant. Moi, je suis tout seul au sous-sol dans le shop. Bon, écoutez, je vais rester dans le noir tout seul. Mais au moins, c'est pas grave. Je vais rester ici, je vais rester ici. Oh là là, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, écoutez, les amis, comme je vous ai dit, je vais certainement rester ici un petit moment. J'ai de quoi manger. Au moins, je suis enfermé à clé. Et Oh non. Vous voilà. Comment t'as su ouvrir la porte? Bon, écoutez, les amis, suivez la suite de l'aventure dans une autre vidéo. Là, je dois couper, je dois m'enfermer ici pour résister le plus longtemps possible. Bon, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez voir vraiment une autre vidéo et on se dit à la prochaine, bah, si ça se passe bien. Allez, ciao.